Alors là, j'ai envie de vous dire, attention rumeur. Et quand on fait une méga rumeur, bah vous le savez, on fait... Ah bah, il veut pas venir. Il veut pas venir, vous le savez, la sirène de Silent Hill. Attention, rumeur. On va sortir les pincettes d'usage, parce que là, il n'y a clairement rien d'officiel. Tais-toi, merci. C'est vraiment pas officiel, c'est plus pour se laisser un peu de perspective, parce qu'on en parlait extrêmement récemment, en live, sur ma chaîne Jeux Vidéo Flash. Si vous ne l'avez pas vu, etc., la vidéo, le live et la chaîne vous attend juste ici. Pour le moment, la nouvelle Nintendo Switch, on l'appelle souvent la Switch Pro. Et d'ailleurs, je vais vous mettre des images de l'ami Captain Ichiro qui vous a fait un trailer de l'imaginaire sur sa chaîne que vous pouvez aller retrouver, évidemment. On l'appelle la Switch Pro. Eh bien, il y a un leaker, entre guillemets, brésilien qui, dans une discussion avec un journaliste brésilien, a évoqué que le nom pourrait être la Nintendo Super Switch. Un peu ambiance Super Nintendo, quoi. La Super Switch. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais franchement, pour l'instant, ça ne tient sur pas grand-chose. On verra. Voilà. Pour Captain Ichiro, c'est la Nintendo Switch Pro. Avec du pouvoir, de la puissance, surtout, partout. Bah vous me direz, à mon sens, il y avait trois noms qui revenaient assez fréquemment. Il y avait la Nintendo Switch Pro. J'y crois pas trop, parce que c'est l'appellation à la fois d'Apple et de PlayStation maintenant pour ces nouvelles consoles. Mais vous allez me dire, bah ouais, mais le contrôleur, c'est le contrôleur pro. Et en cela, vous avez complètement raison. Donc, écoutez, on verra. Mais j'y crois pas trop. Il y a, à mon sens, la New Switch, un peu dans la même nomenclature que ce qu'ils ont fait avec la 3DS. Et ça, moi, j'y crois quand même pas mal. Et puis, on avait discuté, et certains avaient dit la Super Switch. Écoutez, pourquoi pas, elle semble tenir la corde. On verra. Selon ces informations aussi, il ne devrait rien y avoir avant la fin de l'exercice fiscal actuel, donc au mieux à partir d'avril 2021. Mais vu la pénurie de composants informatiques qui frappe le monde entier, pas juste les consoles, tout le monde, je pense qu'il n'y a aucune raison de se précipiter et que l'annonce n'est peut-être pas pour demain. Mais on verra, hein. On peut toujours être surpris, Nintendo peut dégainer des trucs de son chapeau. À tout moment, ils nous ont déjà habitués à ce genre de situation.